affirme l'apôtre Jean. Et cela nous semble l'évidence même. Le Dieu de la Bible est esprit. Il est immortel, invisible, seul Dieu. On ne peut pas le voir. Je sais que par cette petite présentation, ce n'est pas tout le monde qui comprendra facilement. Je fais mon possible. Qui est Dieu? C'est comme le soleil que l'on ne peut pas regarder directement. La gloire de Dieu dépasse notre capacité de l'accueillir. Et puis, je ne peux voir, toucher et sentir que des choses appartenant à cet univers matériel. Or, Dieu ne fait pas partie de l'univers qu'il a créé. Il l'englobe, il le porte, mais il ne fait pas partie des réalités que je peux vérifier par moi-même. Dieu se fait voir par son amour, et son amour, c'est le Fils qui vient parmi nous. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ce que nous ne pouvons pas contempler de manière directe, nous pouvons le voir en Jésus, en sa bonté, en son action. Qui m'a vu a vu le Père. C'est magnifique. Dieu veut être vu. Aussi, il faut peut-être dire que Jésus est tout entier homme et tout entier Dieu. Dans son humanité, nous touchons l'amour de Dieu. Et Jésus veut que ce soit vrai aussi pour nous. Dans la vie des saints, c'est bien un reflet de l'amour de Dieu que nous rencontrons de manière très concrète, très incarnée. Bien sûr, les saints ne sont pas le Christ, mais ils en sont les disciples. Nous aussi, nous avons été appelés à l'être pour que, malgré notre faiblesse et notre péché, on puisse toucher quelque chose du mystère de Dieu à travers les chrétiens et l'Église. Dieu aura toujours sa manière unique à lui de nous surprendre, de nous étonner et de nous inviter à croire en dehors de nos savantes conceptions ignorantes. Intéressant, n'est-ce pas? Et voilà, je te souhaite une très belle journée avec le soleil dans ton cœur.